soir, ça dépend l'heure à laquelle ça va vous trouver dans vos maisons. C'est votre humble serviteur Mario Gino de Bundestiv. Nous sommes rentrés encore pour vous éclaircir ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors suivez, on va revenir. L'initiative du président Biden d'organiser ce sommet USA-Afrique qui nous donne ce jour l'opportunité d'échanger sur l'une des questions majeures qui préoccupe actuellement la planète, à savoir le changement climatique et la transition énergétique qu'il exige. Puisque nous sommes réunis ici pour parler de lutte contre le changement climatique, permettez-moi d'abord, avec regret, de mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures, cette nuit, par suite des pluies diluviennes conséquentes du règlement climatique qui ont causé des centaines de pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes qui auraient dû pourtant être évités si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. Toute ma pensée est tournée vers mes compatriotes en ce moment, victimes de cette catastrophe naturelle. Il est donc impérieux d'agir vite et maintenant. À ce sujet, la République démocratique du Congo se félicite du leadership américain, matérialisé particulièrement par l'Inflation Reduction Act, adopté le 16 août dernier dans le but principalement de réduire de 40% l'émission de carbone américain d'ici 2030. En effet, l'Inflation Reduction Act, bien que d'application locale, constitue une véritable source d'inspiration pour les pays africains, car elle démontre que la lutte contre le changement climatique n'est pas antinomique à la croissance économique. Bien au contraire, elle en est le moteur. Il est donc possible désormais de s'attaquer au changement climatique au moyen de l'émergence d'une croissance verte, appuyée par des politiques innovantes conformes aux objectifs globaux de développement durable, les ODD. C'est pourquoi mon pays est disposé, grâce à ses minerais stratégiques, à s'associer avec les États-Unis d'Amérique dans un partenariat gagnant-gagnant pour atteindre les objectifs fixés par l'Inflation Reduction Act, dont la transition énergétique, qui ont un impact au niveau mondial. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de délégation, distingués invités, la République démocratique du Congo est dotée de l'une des plus importantes biodiversités du monde et participe à la régulation climatique mondiale. Cependant, bien qu'ayant cette vocation naturelle de leadership sur le plan environnemental, mon pays se trouve confronté à des défis majeurs, dont l'insécurité, qui ravage sa partie orientale depuis bientôt 3 décennies. En effet, des groupes armés et terroristes opérant dans la région en proie à l'insécurité, notamment le groupe M23 soutenu par le Rwanda, s'adonnent, outre au massacre des populations et à l'exploitation illicite de nos minerais stratégiques, à des déforestations massives, décimant ainsi les espèces en voie de disparition au sein de nos espaces et parcs protégés, à l'instar du parc national de Maïko dans le bassin du fleuve, de le bassin du Congo, de la réserve des Poulou en Ituri, du parc Kahuzi-Biega au sud Kivu et du parc de Virunga au nord Kivu. C'est autant dire que la question de l'insécurité à l'est de mon pays est inséparable de celle de la protection de sa biodiversité. Il est donc urgent et impérieux d'y mettre fin aux activités des groupes armés également. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de délégation, distingués invités, j'aimerais ici me faire le porte-voix du continent africain qui est le plus meurtri par les impacts de changement climatique, sans en être responsable ni en avoir les moyens d'y faire face. Je salue l'appui financier consenti par le gouvernement américain en faveur de l'adaptation en Afrique et espère plus d'engagement. Je suis convaincu qu'une collaboration innovante, gagnant-gagnant, axée sur les différents mécanismes prévus par l'accord de Paris,
renforcé par le pacte de Glasgow et réaffirmé lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh, permettra aux pays industrialisés, historiquement responsables du changement climatique, d'accompagner le continent africain, non seulement dans son adaptation au changement climatique, mais également dans la poursuite de sa marche vers le progrès et le développement. Pour finir, je salue la mise en place du groupe Climat, République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique, preuve de coopération renforcée entre nos deux pays. Mon souhait est que ce dernier privilégie dans ses discussions la mise en place d'un programme ambitieux d'ajustement correspondant l'appui à la transition écologique, la sécurisation des parcs et des forêts, ainsi que l'accompagnement technique pour l'évaluation de nos ressources naturelles et l'amélioration de leur gestion, qui sont l'objet de l'adhésion de mon pays au groupe d'observation de la Terre. Enfin, il nous appartient de prendre ici des décisions justes qui contribueront à sauver notre planète et qui affermiront davantage les relations entre nos deux pays ainsi que les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Je vous remercie. Malgré le président de la République démocratique du Congo, il travaille lent, mais quand même réalise tout ce qu'il est en train de parler. Alors moi, je vis que vraiment, c'est un président-là qui ne change pas ses paroles. Il parle, et puis les choses qu'il a parlé avant, c'est ça qu'il répète toujours. Alors, il ne va pas changer son avis. Je crois que c'est un bon président. Alors, vraiment, il faut vraiment, j'aimerais dire, chez nos frères et sœurs de la diaspora congolaise, alors vraiment de supporter le fils du pays, parce que vraiment, avec lui, les choses iront bien. Il faut donner la chance, la deuxième chance chez votre frère du pays. Alors, ça sera une bonne chose. Que vous allez voir comment il va travailler. Mais selon moi, je vois qu'il travaille bien, malgré que c'est les erreurs, malgré qu'il est très lent, mais quand même, il réalise tout ce qu'il a promis au peuple congolais, aux jeunes congolais. Alors vraiment, ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir d'avoir un président d'Afrique comme ça. Parce que toute l'Afrique est en train d'apprécier le monsieur Félix Tshisekedi. Alors nous voyons que non, il va bien travailler. Alors, vous savez bien que le pays était déjà par terre, alors c'était déjà parti. Maintenant, pour reconstruire ça, ça prend du temps et puis vraiment, c'est pas facile de faire vraiment rapidement que tout ça puisse s'arranger. Alors, avec 5 ans qu'il a passé, je vois qu'il y a un grand changement, mais le peuple aussi doit changer parce que la mentalité aussi, vraiment, c'est très bizarre parce qu'il y a des gens qui sont habitués corruption, il y a des gens qui ont habitué des mauvaises choses, alors l'égoïsme, alors tout ça vraiment pour lever ça dans la tête des gens, ça prend un peu du temps. Moi, je me réduis ceci. Alors tout le monde, tous les fils du pays, de la diaspora partout au monde, alors supportez votre frère, votre papa et votre grand-père, alors le fils du pays, alors il faut supporter, lui donner la chance, deuxième mandat, on verra comment il va travailler. Alors si vous voyez que vraiment quelqu'un qui est en train de se tracasser pour son peuple, regardez comment les inondations, ils ont vraiment, ça, c'était catastrophique les inondations au pays, il a coupé ses programmes, tout ce qu'il a, il devrait faire aux États-Unis, il n'a pas vraiment... Il a laissé ça et puis il est rentré vite. À côté les caisses de l'État vides. Mais il n'y a pas de projet. Mais avec quoi ça allait se réaliser, on n'en sait rien. Félix est arrivé au pouvoir à côté la Cour démocratique du Congo avec des relations internationales mortes. Tout ça pour éviter. Félix est arrivé au pouvoir. La collaboration Schengen ne marche plus. Félix est arrivé au pouvoir. La République démocratique du Congo sous l'embargo militaire. Alors que tu as la guerre dans l'Est, au Afdel et la Bissau. Félix est arrivé au pouvoir. Avec une monnaie sous la dollarisation. Nous sommes en bonité. Félix est arrivé au pouvoir. Avec une réserve de change vide. Alors que Congolais. Oyo Aza averti à Ebi Rol y a réserve.
Il y a un permis qui investisseurs expatriés, des importateurs, des usines pour que les gens puissent économie en boka et vivre. Mais nous avons besoin de réserve il y a 1 million. Nous avons faire vivre l'économie à Congo. Félix est arrivé au pouvoir à coûter les grands opérateurs de la paix démocratique du Congo. Ce sont des Indiens, des Pakistanais, ce sont des Libanais, ce sont des Chinois. Mais Boléhi quand même a changé le Congo en une journée. Son Excellence, Monsieur le Président Félix, Limbi Sabissou. S'il y a quelqu'un qui a mérité, pardon, Abissou Ezayo. Félix est au pouvoir par voie des urnes. Joseph Kabila Kabange a hérité du pouvoir nulle part ailleurs. Banda Congo Zala Congo, il est le seul où a hérité pouvoir. Le seul. Puis en organisant des élections où est Soukaka Amabe. Élection 2006, ça c'est Beta Batouba Koufa. Jean-Pierre Bemba, président, mais Joseph Kabila a dirigé. Par quelle magie, on n'en sait rien. Élection 2011, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, président de la République, mais Joseph Kabila avait quand même doublé les bandas. Par quelle magie, on n'en sait rien. Il est le seul héroïe Bayango. On arrive en 2016, il devait organiser des élections. Par quelle magie, à 2 ans, organisé en 2018. C'est quand Joseph Kabila Kabangi, pardon, on a la Rosenga, au tata. Et ça pour la Nengo, mais la Gibiso, mon entreprise, Nyonce. Toyon de Fosenga, pardon. Joseph Kabila, c'est un pardon parce que Obomé la biso on attra. Joseph Kabila Kabange, c'est un pardon parce que Batra y a Congo, Ote y a une peinture. T'as le comment on s'en a des raillements, Ote y a biso n'a pas été mort vétuste. Joseph Kabila, il faut que c'est un pardon. La Linga qui n'a expliqué bien la Linga là, pour n'avoir pas soupçonné, va comprendre. Alors, ils allaient que, pour quand même, ils allaient que, bon, tu as éclaircir seulement que. Ndegende konabiso, papa nabiso, koko nabiso, oyakendaki nas États-Unis, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, azalaki nas États-Unis, pona kokutana ba mikonzi ya United States, d'Amérique. Alors, namoni ke parole na ezaka ndenge moko ndenga prometaki ya peuple congolais, alors a changé les paroles, te ezaka vraiment c'est très génial. Alors, il a lobby makambo moko vraiment très important et puis ezaka bien. Alors, dans mon match, c'est qui toko. Alors, Pepe Klongo, il faut que c'est là parce que vous êtes président, mon coquet, Aza bien. Alors, Azolo, Makambo, Oyo, Aïepsa Kibino, a prometta Kibino. Alors, à parler, on a ma gêne, Wapi, na parlement, tout. Alors, quand on a même parole, il y a l'Oba qui a moins à se retenir, quand Azolo, l'Oba, il y a moins à. A l'ingi soucité que non, a changé ma parole, alors, il comment, bah, tu vas qu'on a confondu, mais non. Azo sala vraiment moussa la nekitoko. Alors vraiment, pour passer deuxième chance, que akoka ko travailler encore pour la bokota la ndengenine mboga eko bonga, ndengenine mboga eko aboutir vraiment. Parce que, pour yé, zala ki déjà kao, batu ba teka ki mboka, batu ba la bibsa ki mboka, basi ba kenda, si ko moutou o yazui pouvoir pour le moment, yé nem dazo paye ba po kase. Alors vraiment, il faut donner la chance parce que. Même Dieu dit ça, alors il faut donner la chance à quelqu'un. Parce que moni qui est une débonance à la cure, alors il faut quand même contacter pour qu'on change. Bon, pèse ba idée, qu'on pèse ba idée moua qui toko pour qu'on aboutir vraiment à l'eau comme quoi malamo. Mais ceux qui vous ont critiqué au finger, alors ils ont changé le côté pour qu'on finger, pour qu'on tonga, pour qu'on salanini, alors ils ont changé dans le monde pour qu'on salanini. Non, mais nous pouvons contribuer malgré que les résalés, mais il faut qu'on contribue pour qu'on songe à moi dans le tant que vous avez mon amboka dans le monde. Namboka na bino alors il faut vraiment que ça la tout pour na aider pour na pesa ba aider yo peso ko monique no koki alors o chape li baya na yo o se présenter so ko lingo comme un ministre au comi so lingo comme nani alors ça dépend na ndenge ya capacité na yo ko sala alors o sala rate ko finga ko tonga ko loba alors mais tant o lobby kuna makambo ya mboka o ya demo ya République démocratique du Congo bandaka la suko Kofinga ezala ki tango ob étranger bazaki na mboka étranger baki alors moi na mboka zu bonga quoi o sala eloko moko ke ya munene ko kaku e DP bande ko mususu ob ko créer ba misala ba entreprise ba nini e ko sala sa ba na mboka pe ba développer alors ezaka te ko loba na musika alors tu ne fais rien ozaka ka ko loba na monoko mais tu ne fais rien alors comment ça passe parce que bande ko belé bazali kaka tout ba loba mingi mais azo sala eloko te tala ka ndeti ba ser na biso ba Volcan TV, de Gabazo Beta, c'était Basser Nabiso.
Alors, Maman Congo, ya Congo Bololo, azo bete la mino mbela tout le temps, vraiment, Maman Batu, mon okone, koute zo kaoka. Alors, bozo mon lango, ke nzambe, vraiment, apambola, eh. Alors, bino pe, il faut bo sala, et lo, komo, ke nzambe, ako kiko, nzambe, ako soutenir yo, tango bandi, lo, komo, kama lam, nzambe, ako tika yo, te, ako soutenir yo, pe na ba, démarche, nyonso, na makambo, nyonso, ya mabe, eko le kate. Alors, nan la bete, anlo, ba sousou, bon. Ba autorité to zonga na côté ba autorité bo ebike bana mboka bali ba zonga ba diaspora bali ba zonga ba ya ko construire pe mboka ba ya ko pesa pe ba pana bango ma na bango. Alors ba douane na bino c'est trop cher, alors il faut bosser la bot ça la tout penza pona ke bo réduire ba douane na bino pour tala et loko douane zo bo mandé bat rotinda makambu kuna moyen te douane na bino zo casser bat moyen bat batinda ba biloko ezat ezake ne tambo ke zana na bozo construire mboka sika. Il faut que ça la tout penza ko pesa bana mboka chance. Pour que si on a une chance, on va ma cambo, on va se faire parce que on va se faire des délais. Mais on va se faire des douanes, on va se faire des douanes, on va se faire des douanes, la wapi, ko sala nini, se ke komi. Et là, on va comprendre. Alors, place wana penza, bota la douane. Parce que les douanes va se faire des douanes, on va se faire des douanes. Alors, si les douanes sont là, le transport est là. Alors, on va se faire des douanes, on va se faire des douanes, on va se faire des douanes, on va se faire des douanes. Alors, tout fait nombre. Alors, merci. I love you. See you later. Bye. Gino, the Bundes TV. Zambalo la Pambola Bino. Ja, meine Tränen sind aus Blut, sag mir nicht, dass du mich liebst. Baby, ja, wir sind ein Team, aber warum haben wir Krieg? Haben wir beide das verdient? Haben sinnlos diskutiert bei jedem Beef. So oft gebrochen lag am Boden, doch ich war verliebt. Mein Herz pocht bei jedem Satz, den du von dir gibst. Ist das alles noch real oder nur ein Spiel? Yeah. Du hast Kontrolle in der Hand, doch ich will nicht spielen. Du sagst, ich kann dir vertrauen, doch ich kann's nicht fühlen. Liebeskummer, mal wieder dieses scheiß Gefühl. Yeah. Wir gehen kaputt, wieso raufst du nicht? Du fickst mein Kopf, werde wahnsinnig. Du bist giftig wie Schlangengift. Du bist toxisch, ich merke es nicht. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett. Aber ich komm nicht weg, will nicht weg. Unser Vibe, den wir haben, viel zu echt. Sag mir, Baby, willst du mich oder Sex? Vielleicht bin ich nur ne Nummer in deinem Bett. Schreibst mir SMS von nebenan, obwohl du mit mir reden kannst. Kann ich schlafen, bin noch wach, gedankenlos um Mitternacht. Deine Liebe gibt mir Kraft, zu jedem Spiel gehören zwei. Ohne dich bin ich allein, bei jedem Streit gehen wir zu weit. Wo ist dein Respekt? Ich mach alles für dich Tag und Nacht. Wenn du neben mir liegst, hält mich dein Atem wach. Ich weiß, dass du einen Schaden hast. Verrückte Zeiten haben mich stark gemacht.